quand le soleil brille dès le matin, la journée s'annonce parfaitement bien. Madame le maire est déjà au travail, les artisans exposent leur attirail. Ah, bonjour. C'est merveilleux de vivre à Poneyville, alors demander mieux serait très difficile. Voilà encore une belle journée, voilà une belle matinée. Quand le soleil brille dès le matin, la journée s'annonce parfaitement. Reine Bodasse, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée, j'ai encore quelques problèmes avec les nuages d'orage. Oh, quelque chose me dit que tout ne va pas pour le mieux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, mais pas bien complète. Un tour de magie. Arrivé à ta marque de beauté. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Twilight. Je fais ce que j'ai toujours fait depuis le jour où elle est apparue. Est-ce que mon ciel n'est pas fabuleux? Mais qu'est-ce que tu as fait? Regardez-vous. Le gris, nouveau siégué. Où est Reine Bodasse? Pourquoi elle ne s'occupe pas de ça? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu m'as réveillée. J'adore dormir sous la pluie. Ce n'est pas à cause du climat, Spike. Rarity avait la marque de beauté de Reine Bodasse et disait que maintenant elle habitait ici. Il se passe quelque chose de bizarre. Salut les amis. Reine Bodasse, pourquoi est-ce que Rarity fait ton travail? Et tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ici? Ces bestioles ne m'écoutent pas, même pas un tout petit peu. Elle court partout dans tous les sens, c'est vraiment désastreux. Je veux trouver le moyen de tous les apaiser. Ça doit être ma destinée, oh, car c'est ce qu'indique ma marque de beauté. Je crois que j'ai tout essayé pour bien les divertir. Je me suis même déguisée, je ne fais absolument pas rire. Je veux trouver le moyen de tous les amuser. Ce doit être ma destinée, car c'est ce qu'indique ma marque de beauté. Ça ne m'amuse pas de cueillir des fruits ni même de labourer les champs. Je suis pas très douée, mais je dois bien me débrouiller pourtant. Je veux trouver le moyen de finir toutes ces corvées. Ça doit être ma destinée, car c'est ce qu'indique ma marque de beauté. Je suis en train de fabriquer une robe, mais c'est raté. Désolée, je suis occupée, mais surtout très stressée. Ça me rendrait vraiment service si vous pouviez m'aider. J'avoue, je n'aime pas ma destinée, mais c'est ce qu'indique ma marque de beauté. J'adorerais pouvoir gérer le temps, mais je n'ai pas le savoir-faire. Je ne sais pas comment diriger l'été ou bien l'hiver. Je sais très bien que c'est ma tâche, je devrais y arriver. Oui, ça doit être ma destinée, ma destinée. Car c'est ce qu'indique ma marque. C'est ce qu'indique ma marque. Car c'est ce qu'indique ma marque de beauté. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on en est arrivé là? La nuit dernière, pendant que tu prenais ton 7e bain moussant, j'ai reçu un paquet de la part de la princesse. Cher Twilight Sparkle, le sort de la dernière page de ce livre est le dernier chef-d'œuvre secret et inachevé de Tourbillon Étoile le Barbu. Oh! Ouh! Il n'a jamais été capable de le faire marcher et il a abandonné. Je crois que tu es le seul poney capable de le comprendre et de le réécrire. Princesse Célestia, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, la marque du destin seule choisira sa route.
n'a aucun sens. Et ça ne rime même pas. J'ai lancé le sort pour voir ce qu'il faisait. Et j'ai cru qu'il ne s'était rien passé. Maintenant, je sais qu'il s'est bel et bien passé quelque chose. Le sort a modifié les éléments d'équilibre. Voilà pourquoi leurs marques de beauté sont mélangées. Lance un autre sort pour les remettre en place. Oh, malheureusement, ce sort n'existe pas. Pourquoi tu ne lances pas le sort de mémoire que tu as utilisé quand Discord était là? Le problème, ce n'est pas leur mémoire. C'est toute leur personnalité qui a été affectée. Le remède de Zecora contre la marque Éole? Ça ne marchera pas non plus. Oh, peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que nos amis vont aimer leur nouvelle vie. Non, Spike, ils ne font plus ce pourquoi ils sont faits. Toute leur destinée a changé. Et c'est de ma faute. Comment tout arranger? Je peux pas abandonner. Comment une si petite erreur peut créer tant de malheur? Pourquoi? Pourquoi? Twilight, tu vas trouver une solution. Ce sont tes amis. Tu as raison, Spike. Et pour moi, elle compte plus que tout. Mes amis. Twilight, est-ce que ça va? J'ai trouvé! Je sais ce qu'il faut faire! C'est vrai? Je ne peux peut-être pas leur rappeler qui elles sont. Mais je peux leur montrer ce qu'elles sont l'une pour l'autre. Elles retrouveront la partie d'elles-mêmes qui a été perdue pour pouvoir aider les amis qu'elles aiment tant. Allons-y, Spike. Fluttershy, attends. Oh, salut Twilight. Où vas-tu comme ça? Je retourne à Cloudsdale. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à faire rire personne. Avant que tu t'en ailles, je me demandais si tu accepterais d'aider Rainbow Dash. Elle a de très gros soucis avec ses animaux. Mais les animaux, tu sais, je n'y connais strictement rien, moi. Peut-être, mais tu connais parfaitement Rainbow Dash. Oui. Tout d'abord, je sais que c'est une véritable amie et que je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Au secours! Rainbow Dash! Est-ce que tu ne pourrais pas lancer un sort pour la libérer? Non, Fluttershy, tu es la seule qui puisse l'aider. Rainbow Dash a besoin de toi. Bonjour, gentils petits animaux. Je sais que vous êtes tous très en colère et que vous en voulez beaucoup à Rainbow Dash. Mais nous serions vraiment très heureuses si vous acceptiez de vous calmer un peu et de vous reposer. Regardez, voici de délicieuses feuilles croquantes et juteuses à grignoter. Et pour vous, de bons petits glands bien croquants. Vous n'avez pas envie de vous reposer et de prendre un petit 4 heures? Oh, regardez-moi ça. Je parie que c'était la faim qui vous mettait de mauvaise humeur. Ça m'a fait plaisir de vous aider, mes petits amis. Alors, j'ai l'impression que je les comprends. Je me sens toute drôle. Comme si c'était ça mon rôle. Comme si c'était vraiment moi. Ma destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fluttershy, regarde. Ta marque de beauté. Ça a marché. Ça a marché. Tu es redevenue normale comme je suis heureuse. Maintenant, on a besoin de toi.
De vrais amis aiment vous épauler. Ils sont toujours là pour réconforter. De vrais amis ne vous laissent pas tomber. Du cœur d'un vrai ami, la lumière surgit. Je vous rappelle que vous avez une copine dans la marmite. Rarity a besoin de toi. Elle travaille dur mais elle n'y arrive pas. Mais avec toi, elle aura sa chance. Et tu verras comme les choses se nuancent. De vrais amis aiment vous épauler. Ils sont toujours là pour réconforter. De vrais amis ne vous laissent pas tomber. Du cœur d'un vrai ami, la lumière surgit. Qu'est-ce qui vient de se passer? On n'a pas le temps de t'expliquer, mais on a besoin de toi. Applejack essaie de faire des robes. N'en dis pas plus. Applejack a besoin de toi. Elle travaille dur mais elle n'y arrive pas. Mais avec toi, elle aura sa chance. Et tu verras comme les choses se nuancent. De vrais amis aiment vous épauler. Ils sont toujours là pour réconforter. De vrais amis. Faire un rêve affreux. Oh, je crois qu'il n'est pas terminé. Rarity, Pinkie Pie va perdre la ferme de la douce pomme. On a besoin d'Applejack. Elle va perdre la ferme? On ne peut pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Pinkie Pie a des ennuis. Ensemble, on aura l'énergie. Faut tout tenter pour l'encourager. Et ensemble, on pourra la guider. De vrais amis ne vous laissent pas tomber. Du cœur de vrais amis, la lumière surgit. Oh, je me sens mieux. Et maintenant, les gens de la ville sont furieux. Il faut que Pinkie Pie revienne comme avant. Je m'en occupe, je sais ce qu'il faut faire. Tous les poneys de la ville ont assez ronchonné. Ils tournent en rond, rideau front sans jamais rigoler. Pinkie, si tu veux nous aider, tu es la choisira sa route. Oh! Attendez un peu, c'est ça! Je comprends, je sais comment contrer le sortilège! De nous toutes ensemble et amis pour la vie, des marques de nos destins réunis, naît une inépuisable magie! Félicitations, Twilight. Je savais que tu y arriverais. Princesse, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose qui n'avait encore jamais été réalisé auparavant. Une chose que même une grande licorne telle que Tourbillon Étoile le Barbu n'avait pas réussi à faire. Parce qu'il n'avait pas ta connaissance de l'amitié. Les leçons que tu as apprises ici, à Poneyville, ont été fructueuses. Tu as prouvé que tu étais prête, Twilight. Prête? Mais prête à quoi?
je t'ai bien observé pour voir comment tu grandis, pour voir comment tu agis, pour voir comment tu vis. Et chaque fois j'étais fière ou éblouie. Il est l'heure que tu saches ce qui t'attend. Il est temps, ta vie va prendre un tournant pour aller où tu veux, pour voir ce que tu veux. Jamais rien vu de pareil. Ah, Twilight a des ailes, c'est génial. Une nouvelle copine volante. Mais tu es devenue une alicorne. Je ne savais même pas que c'était possible. Et c'est la fête de l'alicorne. Waouh, wow, tu ressembles vraiment à une princesse. Mais Fluttershy, c'est parce qu'elle est une princesse. Oh, hey, attendez une seconde. Une princesse? Depuis ton arrivée à Ponyville, tu as fait preuve de bonté, de compassion, de dévouement, d'honnêteté, d'optimisme. Bref, tu t'es comportée en vraie princesse. Mais ça veut dire que je ne peux plus être votre élève? Pas de la même façon qu'autrefois. Je serai toujours là pour t'aider et te guider, mais dorénavant nous serons également tes élèves. Tu es une source d'inspiration pour nous toutes, Twilight. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'il existe un livre sur le métier de princesse? Tu auras tout le temps pour ça plus tard. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un événement extraordinaire. Ma plus fidèle élève, Twilight Sparkle, a accompli bien des choses extraordinaires depuis son arrivée à Ponyville. Elle m'a même permis de me réconcilier avec ma sœur, la princesse Luna. Mais aujourd'hui, Twilight Sparkle a réussi une chose exceptionnelle. Elle a créé une nouvelle magie et a prouvé sans aucun doute possible qu'elle était prête à être couronnée nouvelle princesse d'Equestria. Chers étalons, chers pouliches, j'ai la joie de vous présenter pour la première fois la princesse Twilight Sparkle. Voici la princesse, voyez, voyez, c'est la princesse Twilight, voyez, voyez, voyez. Quelque chose, princesse. Il n'y a pas si longtemps, ma merveilleuse professeure, la princesse Celestia, m'a envoyée vivre à Ponyville pour que j'y étudie l'amitié. C'était une chose dont je ne me souciais pas beaucoup à l'époque. Mais en ce jour exceptionnel, j'affirme en toute honnêteté que je ne serais pas ici sans les liens d'amitié que nous avons tissés. Chacune d'entre vous m'a appris quelque chose sur l'amitié, et de cela, je vous serai toujours reconnaissante. Aujourd'hui, je pense qu'aucun poney d'Equestria n'a autant de chance que moi. Merci, les amis. Merci, merci à tous. Twilight, je suis tellement fière de toi.
Dis donc, frérot, tu pleures ? Mais pas du tout, c'est de la fierté liquide. Ça n'a rien à voir, Sorette. Bien joué, princesse. Le plus beau jour du couronnement de tous les temps. On t'aime toutes, Twilight. Moi aussi, je vous aime, les filles. Voilà encore une belle journée. Voilà une belle matinée. Quand je vois mes amis dès le